Salut tout le monde! Le 16 octobre 2021, c'est une date qui me restera en mémoire, car c'était le concert de sortie de mon deuxième album solo. Avec mes potes Ellie à la basse et à la guitare, et Romain à la batterie, on a joué ce nouveau spectacle qu'on travaille tous les trois depuis maintenant un an. Alors qu'hier vous avez suivi comment j'ai dû gérer ma panne de retour à la fin du morceau, je vous emmène aujourd'hui dans la tête de Romain à la batterie, dont la principale mission, vous allez le voir, est de ne pas mélanger dans ce titre l'énergie du rock et le tempo. Bonne écoute! Allez, décompte. Là, c'est parti pour le dernier morceau. Bon, là, clairement, faut que ça envoie. Bon, j'ai pensé à mettre mon tambourin sur mon charlet, à la John Bonham. Mon morceau carrément rock. Tout le couplet avec les tomes. Allez, refrain. On repart sur le couplet, enfin l'instru du moins, du couplet. Il faut juste que je fasse attention d'être assez précis dans mon jeu. Sinon, ça peut vite devenir le bourbier. Voilà, c'est un morceau que tous les trois on kiffe bien. Le fait de sentir Franck un peu porté par les gens nous porte aussi. Allez, chorus d'Elie. Là, je prends la ride pour carrément ouvrir et te foutre un peu le bordel quand même, quoi. Et c'est là que tu te dis quand même que t'as une putain de chance d'être là, surtout de jouer avec des mecs que tu kiffes. Sur de la musique que tu kiffes. Et devant un public que tu kiffes aussi, quoi. Donc là, du coup, la première séquence, c'est arrêté. J'ai relancé un deuxième métronome pour rester au tempo de la séquence. Franck fait encore participer le public. Enfin, c'est toujours cool. Là, je garde un tambourin au pied, histoire de driver un peu tout le monde. J'attends le top text
pour relancer la séquence. Voilà, je rentre la grosse caisse, c'est le signal. Et ça repart. Voilà, grosse énergie. Je reste vigilant quand même au tempo. C'est toujours difficile de rester sur le clic quand on y met un peu d'énergie. C'est la fin. Et qui dit fin, dit gros bordel. Juste que je regarde Franck pour arriver sur son saut. Là. Ça, c'est du rock.